je suis là, 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 je suis Banaba, Tsakum Panju, Zinga, les souvenirs de Makou, Matak, Malamako. D'ailleurs, tu voudrais m'attendre, Mouyamila et Bagoubedo. Tu venais en Tamba, Moukota, Moulumbo, Bagoub. Makou, Matatu, Malamako, Tsakum Panju, les Zinga. Makou, Matatu, Malamako, les souvenirs de vous. Moukaya, Cataracte. Les bas fleuves. Dans les deux, tu voudrais fondre ma tonne, le bagou le bédou, le bédou, dans les deux, fondre la tuna, puis dans zone, mon passé, les angolos à créer. Tu me veux que vous mon passé, tu me veux que vous avez tu communes avec une pointe, et une pointe que tu peux voir dans le pauvre, mon pauvre va fouler. Tu veux que tu sois un kangou, mon passé à créer de bouser manis, mais mon pauvre un kangou. Je suis un peu plus grand. Donc, tu veux un pauvre pour le président espérant, c'est qu'il faut que tu te dises que tu es un Congo, 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 que tu es un Congo. Merci. Le but de notre rassemblement ici, en ce lieu, est simple. Comme venait de le dire notre vieux José Wazayakana, nous voulons remercier premièrement les ancêtres, leur dire merci parce qu'ils ont répondu à nos prières, à nos requêtes, quand nous disions qu'on avait un problème sérieux. Des problèmes sérieux étaient que le corps avait un organe pourri. Cet organe pourri a entraîné le corps vers la mort, ou bien à la mort. Quel est cet organe pourri? Mbuta Matusila et toute sa bande, disons des organes pourris. Amener l'Assemblée provinciale du Congo central à la mort. Et une fois l'Assemblée provinciale tuée, c'était le Congo central qui serait tué. Et le Congo central étant mort, pouvait entraîner la RDC également à la mort. Mais grâce à Dieu, par nos ancêtres, cet organe pourri a été ôté du corps. Nous disons merci aux ancêtres. Merci également à nos honorables députés. Nous l'avions dit, vous étiez des députés d'un temps pas comme les autres. Vous avez la clé pour beaucoup de choses. Mbanzangu n'a pas festoyé, n'a pas jubilé, parce que Mbanzangu est en deuil. Vous savez, on n'a pas encore enterré l'honorable Ntimba. Et nous savons que justice sera faite. Et même si, parce qu'avec nos amis qui ont fait le droit, le maître Lucien est là, on ne peut plus faire des recours pour pouvoir annuler le mandat de certains députés puisque le temps est dépassé. Parce que certains n'ont même pas réussi. Ils sont passés, ils sont là, on ne sait pas comment. Mais néanmoins, les ancêtres peuvent encore nous aider en les invitant même dans le, dans l'au-delà, dans le monde spirituel,
pour qu'ils soient eux aussi sanctionnés. C'était pas normal qu'on puisse prendre en otage toute une province, qu'on puisse empêcher une province de pouvoir se développer. Le travail qui a commencé avec la déchéance de l'honorable Pierre-Anatole Matusi, il va continuer avec l'aide des ancêtres et du monde spirituel en notant, en écartant, en enlevant les oranges pourries du sac. Les amis de Mbanzangou, comme on s'était dit, que 2023 sera une période de sanctions. Certains ne passeront plus jamais. Mais aussi, pour citer, nous voulons profiter pour présenter nos condoléances à la famille biologique de l'honorable Ntsimba, à tous les Ngungois, à la RDC, pour ne pas oublier les députés provinciaux également parce qu'ils ont perdu leurs collègues, aussi à notre frère Falfal Mpaka qui a aussi perdu sa femme. À son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, je cite l'Excellence Atou Matoubou Nankoulouki, Mbanzangou réitère sa confiance en votre personne. Nous savons que vous avez beaucoup à faire dans notre province. Votre programme est costaud, bon, magnifique. Et nous voulons que ce programme puisse être appliqué. Voici que les ancêtres vous ont aidé en vous ouvrant la porte, en enlevant la maladie qui gangrenait l'Assemblée provinciale du Congo central, le Congo central tout entier, mais aussi la RDC. Parce que le Mukongo, un homme de valeur, était vu comme un homme de la honte à cause de certains comportements, de ce dont nous avons eu nous avons malheureusement donné, c'est à qui nous avons malheureusement donné confiance, fait confiance. Nous attendons les signaux forts que vous allez donner en commençant les grands travaux, en débutant les grands travaux, parce que tout le monde attend ça et nous savons que vous êtes capable de les faire. Vous avez cette volonté-là. Bref, vous dire que nous sommes et restons fidèlement derrière vous. Tout Mbanzangou d'ailleurs. Tout le monde allait être là. Il y a un monde fou dehors. Nous avons voulu le faire comme ça pour ne pas aussi déranger certaines sensibilités. Merci à tous nos députés, une fois de plus. Et que vive le Congo central, RDC se développe plutôt, allais-je dire, avec le Congo central. Merci beaucoup.